On n'y connaît rien, les amis. C'est parti. Avec Pierre qui est en pleine concentration. Bon, j'ai compris que les spectateurs dont on n'y connaît rien voulaient quand même qu'on soit des gens sérieux, rigoureux, qui savent de quoi ils parlent. Ils aiment pas qu'on déconne. Hein, on a compris ça, on a vu dans les messages, on a vu dans les commentaires. Les gens ils aiment bien un truc qui a un peu d'humour, je sens. Regarde-moi ce nez là. Regarde-moi ce nez comme ça sent bon quoi. Ah ça sent bon. Ça sent bon. Ah putain. Ah voilà, je viens à Lyon, je suis à la maison, le troisième fleuve. Hein? Ah bien sûr. Ça sent super bon, génial. Ouais, c'est génial. Ah c'est. Écoute, je vais te dire, cassis. À mort cassis. Je dis pas ça pour te. Ouais, non, mais c'est ce que je sens aussi. Hein. Ah, c'est incroyable. Fruits des arbres. Fruits des arbustes. Fruits des arbustes. Fruits des petits arbustes. Fruits des petits arbustes. Santé, Pierre. Santé, mon pote. Ah, tu peux pas raconter des histoires de sel de cheval, poil de machin. Non, c'est de l'alcool de fruits. J'ai énormément plaisir à reboire ce vin. Reboire. Ouais. Je l'avais aimé déjà. Mais j'adore, franchement. Hein. C'est onctueux, effectivement. C'est acide, mais t'as, y a que du fruit là-dedans, quoi. Voilà, pas de rondeur. Pas de rondeur, juste de l'acidité. Suro cassis, du cassis, du suro et du raisin, quoi. Réglisse. Ça, c'est gâteau au chocolat, quoi. Ah ouais, t'as raison. Gâteau au chocolat. J'ai du chocolat si tu veux. Attends, je te filme. J'ai le côte d'or là. Hein. Vas-y, le perds pas. Ouais, c'est parfait. C'est bon, hein? Parfait. Ah, c'est bon. Chocolat vin, c'est parfait. C'est bien. Chocolat gamay, tu voulais dire? Chocolat vin rouge. Allez, je sens que tu vas galérer sur ce. Je sais pas pourquoi. Je sens pas bon. Je sens que tu vas pas trouver. Je sens pas bien. Alors, ok. Faut que je me ressente. Alors, si c'était un endroit de vacances, ce serait où, là? Ah, vache. En sortant de la France. Oh bah c'est complètement la Bretagne, voire la Normandie, quoi. Il caille. T'as le vent. Ah ouais? Mais c'est beau. Moi, j'aime ce parti pris-là. Quand les vignerons, ils font ce type de vin-là. Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, ça me plaît à fond. Mais ça te plaît, Pierre? T'es comment? Est-ce que c'est un peu trop acide pour toi? Un peu trop... Ouais, un peu trop mûr écrasé, la mûre sauvage. Moi là, je me prends beaucoup de claques et on me fait pas beaucoup de câlins, quoi. Tu vois. Si c'était un chanteur, allez, ou une chanteuse. Johnny Hallyday, bien sûr. La petite touche. Écoute, je te On n'est pas des pros sur Johnny. Oh putain, on est zéro sur Johnny. On n'y connaît rien en Johnny. Oh putain, je sais pas. Merde, je sais plus. Ouais. Je te promets. Ouais, Pierre, il me faut un cépage maintenant. Une belle acidité comme ça. Non, mais ça doit être un gamay de fou, quoi. Que j'arrive pas à reconnaître. Oh, mets-moi une petite goutte. Allez, une dernière fois. Allez, mesdames, messieurs, c'est la dernière lichette. C'est la classe, hein. Un Barolo, voilà. Pierre, il hésite. Il est entre l'Italie et la France. Je lui envoie des indices. Je m'amuse un peu ce soir, je m'amuse un petit peu. Tu t'amuses, hein. Je m'amuse un petit peu. Ouais, allez. Je m'amuse un peu avec lui, mais. Parce que Pierre, son petit défaut, vous le connaissez maintenant, c'est qu'il est un peu trop dans le mental parfois. Il n'est pas assez dans l'émotion et dans l'école de la sommellerie française, dans laquelle moi je me retrouve. On part à zéro. Tu prends un bout de pain, ok, tu reprends un bout de pain. On part à zéro, t'es l'aveugle, on est en concours du meilleur sommelier de France. Monsieur. Ma cave a été inondée, l'étiquette a disparu. Je ne sais pas ce que c'est que ce vin. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à retrouver d'où vient ce vin, s'il vous plaît? C'est comme ça dans les concours de sommelier? Ouais, exactement. C'est une des épreuves, quoi. D'accord. Allez, donc, le regard. Okay. Donc, tout d'abord, c'est un vin relativement jeune. Ouais. C'est un vin pas plus de 2018. D'accord. Pas plus vieux que 2018. Ok.
Ça, c'est bien. Pour les bases, là, c'est pas mal. Allez. Au nez. Quels arômes? Les arômes. Fruits rouges confits. Ouais. Là, non, là, on est en concours, monsieur, dame. On est en concours de meilleur sommelier, là. J'ai pas l'impression que ce soit français. Ah, fais chier, putain, j'y connais rien, je suis nul. Flo, aide-moi. Bah, il y a une couleur, franchement, quand je fais comme ça, là, ouais. Je vois du gamay, quoi. Bon, bah alors, allez, vas-y. Mais ça peut pas être du gamay, ça. Alors, monsieur, allez, et allez. Ben, c'est soit un Claude Mez, soit un Barolo. Donc, on est soit sur un Beaujolais, soit sur un vin italien, un Barolo. Oui, mais... C'est grave stylé, comme dirait ma fille. C'est stylé, c'est très stylé. On en arrive au point où j'irais presque à dire presque trop acide, tu vois. Ah, gamay? Ouais, gamay, ouais. C'est ton dernier mot? Non, là j'ai aucun dernier mot là-dessus, c'est beaucoup trop dur. Sinon je dirais que c'est grenache, 100% grenache. Oh, le grenache, il arrive comme ça enfin quoi. Oh putain, dans les yeux. Alors c'est marqué en gros. C'est du cote? Le cote, c'est du 100%. Cote égale 100% mal. Malbec? Malbec, mon gars. C'est un Malbec du Val-de-Loire. C'est fait dans le 41. Tu connais rien, mon gars. Ah bah non, bah là... Un Malbec du Val-de-Loire. Ouais, bah bien sûr, bah oui, pourquoi pas. Ouais. Ah, non, mais voilà. Un Malbec du Val-de-Loire, un Riesling du Lot-et-Garonne. Donc, les jardins de Tessan, côte jardin de la Maison Neuve 2018. Donc, t'avais l'année quand même. Hein, au début de ta dégustation, version meilleur ouvrier trans, là, c'était pas mal. Ouais, mais c'est complètement, c'est un ovni ton truc. J'ai que mon tu. En même temps, tu passes ton temps à m'embrouiller, Alex, aussi. Si tu me laissais bosser correctement. Non, je t'ai laissé bosser. Mais jamais je t'aurais dit que c'est un Malbec de Blois, quoi. Qui trouve ça? Toi? Mais personne trouve ça. Aurélie l'aura trouvé. Mais non, Aurélie. Flo l'a retrouvé tout de suite, au bout de 2 secondes, l'aura fait Malbec! Waouh, on dira Malbec, mais pour pas du sud. Ouais, c'est un couple. Hein. C'est Anouk. Un couple. Anouk. La voix l'amoureux et Paul-André Riss. Eh ben merci, Anouk et Paul-André. Super pinard, très très bon. Ouais. Salut Pierre. Très intéressant, très intéressant.